L'équipe d'Au 19e s'est rendue en Californie, au Riviera Country Club, à l'occasion du Northern Trust Open, pour vous présenter un lancement de produit, le tout nouveau R15 de TaylorMade, les dessous et les préparatifs d'un événement PGA Tour. Avant que la première balle ne soit frappée aux terres de départ du trou numéro 1 le jeudi matin, il y a énormément de préparation et de travail, autant pour les joueurs, leurs agents et les cadets. En plus des rondes de pratique et du pro-am, les joueurs peaufinent leurs élans, modifient leurs équipements. En plus d'accorder des entrevues aux différents médias sur place. Pour ce qui est du parcours, évidemment, on doit s'occuper des derniers préparatifs en vue du tournoi. Le tout doit être parfait. Lors du passage de l'équipe d'Au 19e en Californie à l'occasion de l'Omnium Northern Trust, deux choses ont retenu notre attention. Le fameux 10e trou, une courte normale 4 d'à peine 315 verges possédant un verre diabolique. Sans aucun doute, l'un des trous les plus spectaculaires du circuit PGA Tour. Notre deuxième point d'intérêt était le lancement de la nouvelle série R15 du fabricant TaylorMade. Étant donné que la cérémonie des Oscars était présentée le dimanche suivant, non loin de là, la thématique hollywoodienne était au rendez-vous. Et pour faire la démonstration des nouveaux bâtons, un certain Sergio Garcia. Pour ajouter un peu de vedettariat à l'événement, on a invité trois acteurs du cinéma américain. Don Johnson, Christopher McDonald et Michael O'Keefe. En lien avec leur participation reconnue à des films de golf dont Tin Cup, Happy Gilmore et Caddyshack, les principaux intéressés n'ont cependant pas eu le temps de nous démontrer leur talent golfique. Il faut dire que quelques minutes auparavant, Sergio Garcia avait mis la barre assez haute. Jean-Sébastien Légaré pour Au 19e.